Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour. À la une ce matin, France 3 va fêter ses 40 ans en janvier. Mobilisation plutôt réussie hier pour la grève à France Télé. Et une spéciale animaux ce week-end dans Vivement Dimanche. On commence avec France 3 qui nous prépare des surprises pour ses 40 ans. La chaîne fêtera cet anniversaire du 5 au 13 janvier avec des programmes courts qui reviendront sur les grands moments depuis 40 ans. Et puis les animateurs préparent aussi des trucs un peu foufou dans leurs jeux respectifs. Laurent Romeschko, Cyril Ferraud, Julien Lepers et Sébastien Follin recevront leurs illustres prédécesseurs, des animateurs qui présentaient donc des jeux avant eux. On reverra par exemple Patrice Laffont, Marie-Ange Nardi, Olivier Mine ou Vincent Perrault. Laurent Boyer, lui, prépare une spéciale Midi en France pour les 40 ans. Et puis les comédiens de Plus belle la vie feront également des clins d'œil à cet anniversaire dans la série. La grève à France Télévisions a été plutôt très bien suivie hier. Plus de 50% de grévistes selon les syndicats, seulement 24% selon la direction. En tout cas, les programmes ont été largement perturbés hier. France 3 a dû proposer des JT tout en images pour son 12-13 et son 19-20. Le soir 3 n'a pas pu avoir lieu, tout comme l'émission de Frédéric Taddeï, Ce soir ou jamais. Sur France 2, les journaux ont été réalisés depuis les studios de secours. Les syndicats protestaient contre le plan d'économie à France Télé, comme nous le rappelle Marc Chauvelot, secrétaire général du SNRT-CGT. Il y a un ras-le-bol, il y a une vraie colère qui s'exprime en ce moment. Clairement, il va manquer 150 millions dans les caisses entre 2013 et 2014. Donc on va être amené à faire ce plan d'économie drastique à tous les secteurs. Donc il y a une vraie interpellation double. Du côté de la tutelle, c'est il faut revoir la copie parce qu'on n'a pas mérité ce plan d'économie-là. Et du côté de Pfimelin, il va falloir se battre, monsieur Pfimelin, pour dire à la tutelle, non, ça ne passe pas, ils ne sont pas d'accord, on ne peut pas tenir et assurer la continuité de l'entreprise dans des conditions pareilles. Il y en a des combats, Rémi Pfimelin, en interne, en externe, il y en a dans tous les sens. TF1 prépare l'adaptation du film La Croisière, c'était quoi ça? Un film qui avait fait un bide au cinéma, mais ça n'empêche pas la une de tourner, donc cette adaptation en série télé, 6 fois 52 minutes qui seront diffusées l'année prochaine. Comme son nom l'indique, La Croisière se déroulera à bord d'une croisière avec un personnel un peu décalé et des passagers de tous âges. Au casting, on retrouvera Marianne James, Mathilde Amet, Christophe Malavoy et Philippe Laville. Rien n'égalera jamais La Croisière s'amuse. Une spéciale animaux ce week-end dans Vivement Dimanche. Si vous aimez les chiens, bien rendez-vous dimanche après-midi sur France 2. Michel Drucker proposera à l'adoption plusieurs chiens et chats qui seront présents sur le plateau. Pour l'occasion, Brigitte Bardot interviendra dans l'émission et plusieurs amis des bêtes ont accepté de venir avec leurs chiens. Il y aura Richard Gottener, Chantal Goya, Yves Duteil, Gérard Lenormand ou encore Clément et José de la compagnie créole. Vous auriez pu être invité aussi, Jean-Marc. Oui, tout à fait. France Télé va consacrer une semaine complète au théâtre. Ce sera du 13 au 20 janvier. Toutes les chaînes publiques vont se mobiliser pour fêter le théâtre. Une pièce inédite sera diffusée chaque soir à tour de rôle sur France 2, France 3, France 4, France 5, France O et la première en Outre-mer. Il y aura aussi des documentaires, des magazines, des pages spéciales dans les journaux. Et pour marquer le coup, ou plutôt les trois coups, les comédiens Pierre Arditi et Leïla Bekti ont accepté d'être les parrains de l'opération. La France a un incroyable talent ce soir sur M6. Oui, dernière ligne droite avant la finale de la semaine prochaine. Et cette année, l'émission nous a encore gratifié de magnifiques numéros. Mais vous l'avez sans doute remarqué, beaucoup viennent de l'étranger. Alors que l'émission s'appelle La France a un incroyable talent, Dave, l'un des jurés de l'émission, s'en explique au micro européen de Romain Aubron. On pourrait dire aussi pourquoi il y a dans le jury un Québécois et un Hollandais. Donc moi, je suis toujours Hollandais. Mais bon, moi j'habite en France et beaucoup de ces artistes travaillent dans le monde entier. Donc que l'émission soit ouverte vers le monde aujourd'hui, c'est un peu normal. Quand ils ne parlent pas du tout notre langue, j'avoue que ça m'emmerde un peu. Mais on en a eu un ou deux, vraiment avec un interprète, et je trouve que c'est un peu spécial. Mais si le public vote finalement pour un Russe, un Ukrainien ou un Zoulou, ce sera très bien. Voilà, effectivement, on s'en fout un peu. L'émission Gym Direct revient sur D8 au mois de janvier. Ça, on est ravis parce que ça nous manquait. Ben oui, en plus, on avait reçu pas mal de messages pour protester contre l'arrêt de cette émission de Gym au moment du rachat de Direct8 par Canal+. Eh bien, les téléspectateurs ont été entendus puisque Gym Direct revient à partir du 7 janvier. L'animatrice Sandrine Arzizet va réenfiler son survêt pour nous faire faire donc du sport tous les matins de 7h à 8h. Le livre du meilleur pâtissier, déjà disponible, c'était sur M6. Hein. Thomas Boursier a remporté l'émission d'M6 lundi soir. Il était en direct avec nous hier matin sur Europe 1. Et vous savez qu'il a gagné la publication de son propre livre de recettes. Un livre qui sort dès aujourd'hui pour 15€. Le meilleur pâtissier nous donne comme ça plus de 40 recettes de pâtisserie qu'on a pu voir dans l'émission.
Et puis on termine avec le chiffre du jour. 1,4 million, c'est l'audience moyenne de la série Les Revenants qui s'est achevée lundi soir sur Canal+. La chaîne s'est félicitée de ce succès hier. C'est vrai qu'avec ce chiffre, Les Revenants est devenue la série la plus regardée de l'histoire de Canal. Moi j'ai vu le premier épisode, j'ai rien compris. D'ailleurs, beaucoup de téléspectateurs ont regretté que la série s'achève avec beaucoup de questions mais peu de réponses. Qu'ils se rassurent, Les Revenants vont revenir. Une saison 2 est en cours d'écriture, mais elle ne sera pas prête avant 2014. Merci beaucoup Thomas.